Bonjour les amis, c'est Rita de la chaîne Ayurnatouj, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une posture, c'est la posture d'une posture de yoga, la posture de l'enfant, qui est une posture très utilisée en yoga prénatal, mais qui peut aussi être utilisée par n'importe qui, parce qu'elle a vraiment beaucoup de vertus. Alors, en yoga prénatal, pourquoi faire la posture de l'enfant? Parce qu'elle permet d'assouplir, donc de détendre surtout la colonne et le bassin, et en même temps d'étendre les muscles du ventre. Parce que ce n'est pas dans toutes les postures qu'on peut tout détendre en même temps. Donc ça, c'est vraiment une posture de détente, et c'est dans la détente qu'on permet à nos muscles et à tous les humeurs et à tout ce qui est à l'intérieur de nous de bouger plus facilement. Parce que plus on crispe, ça c'est l'énergie de Vata, hein, plus on crispe, plus on empêche le flux d'énergie des choses. Donc la posture d'enfant, c'est vraiment quelque chose à faire si vous pouvez tous les jours pour détendre vraiment, pour détendre bébé aussi, pour qu'il soit un peu plus apaisé aussi après toutes les autres postures de yoga. Donc comment on va... Ah, elle facilite aussi, en plus de détendre, elle facilite aussi d'assouplir la région du périnée aussi, ok? Tout en détendant le ventre et tout, donc c'est vraiment une posture géniale pendant la grossesse. Et sinon, c'est génial de se détendre même si on n'est pas enceinte. Du coup, comment on l'a fait? Mais normalement, on part d'une posture où on est à quatre pattes. Et là, il faut vraiment écarter les jambes pour donner la place à bébé. Les orteils, les gros orteils des pieds, ils peuvent se joindre ou pas, mais l'idée c'est d'être assez proche, ok? Et vous vous reposez en fait dans cette posture avec les jambes écartées, vous reposez tout votre dos dans le tapis avec les bras devant vous, ok? Des bras étirés devant vous, et l'idée c'est juste de laisser faire. Alors si le ventre est déjà un peu trop grand et que vous n'arrivez pas malgré l'écartement des jambes, vous pouvez aussi mettre soit une brique, soit une couverture, quelque chose au niveau du front. Et ça empêchera du coup que le bébé il soit contre le sol. Okay? Il ne faut pas qu'il soit écrasé contre le sol. Ça dépend aussi de la taille de votre ventre. Moi, c'est vrai que j'ai un petit ventre même à la fin de la grossesse. Donc forcément, moi je peux encore la faire, cette posture, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut s'adapter. Vous pouvez toujours faire toutes les postures. Il faut toujours se respecter, soi et bébé, et vraiment adapter les postures comme on peut. Okay? Donc on a toujours des coussins, coussins d'allaitement, des couvertures, des briques, des choses qu'on peut utiliser pour être plus à l'aise. Okay? Donc tout simplement, on se détend. Et c'est toujours pareil, donc on expire. Si on veut, dans cette posture, on peut aussi travailler le périnée, mais ce n'est pas vraiment la meilleure posture où on peut travailler le périnée. L'idéal dans cette posture, ce serait vraiment de faire la détente, de ne plus contrôler le souffle, de laisser le souffle venir et d'observer ce souffle et de mettre la conscience dans bébé aussi. De dire, tiens bébé, est-ce que tu es confortable? Comment tu te sens? Parce que c'est une posture qui normalement plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup au bébé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette posture. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo démonstrative. Voilà ce que c'est la posture de l'enfant. Je vous laisse aussi dans les descriptifs de la vidéo les tests ayurvédiques pour savoir quelle est votre constitution de base et comme ça commencer à suivre certains conseils d'alimentation, d'hygiène de vie, que vous soyez enceinte ou pas, pour continuer dans ce chemin qui est à l'ayurveda. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je fais une vidéo tous les lundis matin. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo.